Et salut à tous, c'est Léo et bienvenue pour la suite de Silent Hill 4. The room. The room. Avec Rory. J'ai bien repris la clé, j'ai bien repris la clé. Oula, ça me fait tousser. Allez, c'est reparti. On va... Ouais, du coup, je fais cet épisode à la suite de l'autre, j'avais trop envie de voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte. On retourne voir Jasper Caillou. Qui fait un beau de cailloux. Qui a été élevé parmi les cailloux. Nourri parmi les cailloux. Qui a appris à se fondre comme un caillou. Bref, ta gueule. Ta gueule. Non. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de filmer? T'as essayé? Elle a clairouillé ta chaise de sang. Ok. Non mais attendez-moi. Tu l'as trouvé, hein? Oui, j'ai trouvé, ouais. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah non, il boit encore. Ok, d'accord. Il avait vraiment soif, hein. Ou nom de Dieu. Y a pas un bruit. Il y a pas d'ennemis. Ça, par contre, c'est cool. Un message gribouillé. Tu as trouvé Alessa et Walter, ça se précise? Oh, dis donc, je savais pas du tout qu'il y avait des références au premier Silent Hill. Envoie-moi ton rapport. À moins que ça ait rien à voir, mais bon, là, ça serait une grosse coïncidence quand même. C'est cool. Je trouve ça très intéressant. Attendez, on va fouiller. D'abord, c'était... Putain, il m'a fait peur, oh. J'espère qu'il se balade, tranquille. Tranquille, Mimine. Je me demande ce qui se passait ici. Est-ce que vous pensez qu'il faut que j'aille reposer la clé? Je ne sais pas. Bon, on verra ça plus tard. Ça se décolle de partout, la plupart des pages sont illisibles. Voici une partie lisible. Disons la partie lisible. Au deuxième signe. J'espère que c'est Jasper. Qu'est-ce qu'il fout ce con, quoi? Le deuxième signe. Et Dieu a dit, donne le sang des 10 pêcheurs et l'huile blanche en offrande. Tu seras libéré du carcan de ton enveloppe terrestre et jouiras du pouvoir des cieux. De la nuit et du néant, fais rejaillir les ténèbres. Et ceins-toi de désespoir au nom de l'élu. Le troisième signe. Et Dieu a dit, retourne à tes sources à travers la tentation du péché, sous l'œil vigilant du démon. Erre seul dans le chaos sans contour, l'alignement des 4 expiations en dépend. Putain, j'ai rien compris. Qu'est-ce qui se passe? Mais prends la... Il y a une plaque sur la porte. Oh oh, ça veut dire nouvelle victime. Tu peux retirer la plaque? L'affiche source. Ornée d'un bébé et du mot source. Oh mon dieu! Mais elle est partie il y a 2 minutes! C'est pas possible! Comment il a fait? C'est sérieux? I'm choking! Je vais t'aider! Oh non, en fait, non! Oh la flemme! 17! 1, 2, 1. Ouais, bah je crois que ma théorie. En fait, c'est les deux premiers chiffres qui comptent. Le diable. Le curieux, c'est qui? Je vais me réveiller, du coup. Putain. Du coup, j'ai déjà fini ce monde-là? Mais il y a plein de trucs à faire encore. Ouais, je pense que c'est ça, la 17e victime, du coup. Et du coup, c'est qui les 15 premières? Walter Sullivan. Je crois qu'on n'en a pas déjà entendu parler de Walter, non? D'où venait ce reportage de ma tête? Ouais, non, je sais pas pourquoi je regarde la bouche de métro, ça venait pas du métro, de toute façon. Mais j'étais où, en plus? Trop de questions! Certaines coupures viennent de... Mais j'ai oublié. Ouais, d'accord. On s'en fout. Je sais pas s'il faut regarder les tableaux, les trucs. Je pense pas, hein. Ça change pas, non? Oh, putain, ça m'a fait peur, quoi. Il y a mon téléphone qui a vibré en plus en même temps. Et foutez-moi la paix! C'est encore le mec? Ah non, c'est un autre, je crois. Ah, c'est le directeur. Vous êtes là, Henry?
Fracassé par une mouche. Something wrong with this room. Une voix de pucelle quand même. Hein. On frappe tous les deux en même temps, super. Le dialogue de saut. Ils m'entendent pas, hein. Eh, la part est peut-être vraiment dans un monde parallèle aussi, en fait. Hein. What's going on here? Ah, il va essayer d'ouvrir. Il va pas y arriver. Mais ça serait trop simple. C'est la tête de clé. Ah, il y a une main en plus, regardez. La 17e victime. Encore un meurtre. Putain, on a perdu Jasper Caillou, quoi. Je suis en train de tilter. Bah oui, c'est moi. On est là avec Henri. Laissez-nous sortir. Quoi? The same one as back then. Ah, il y avait peut-être vraiment quelqu'un à qui s'est déjà arrivé ça. Putain. Non, panique. Kiki vient de faire tomber un truc. Tout va bien. Non, t'en vas pas, mec. Je sais pas si vous l'avez entendu, j'ai fait nu. Et Kiki, elle a fait. Oui, ma puce, qu'est-ce qu'il y a? On arrivera à sortir de cet appartement. Je te le promets. Putain, il y a toujours rien dans mon frigo, quoi. Je sais quoi, ça me fait peur, ça. Hélène! Hélène, aide-moi! Elle est là! Que fait-elle? Oh. Hélène! Hé! Hey. Pourquoi ils gueulent pas à travers le trou? Enfin, tu me diras, s'ils nous entendent pas, déjà, par la porte. Est-ce qu'elle va faire quelque chose ou pas? J'ai pas l'impression, moi. Ah! Non, elle recroise les jambes, putain. Alors, recommence. Non, j'ai pas l'impression qu'elle va faire quelque chose. J'ai toujours peur de louper un truc, mais bon, j'ai pas envie d'y rester non plus 100 000 ans. Je vais regarder par la fenêtre vite fait. Non. La fenêtre. Ah. Mais, c'est pas possible. Alors, il y a toujours mon voisin, là, qui est venu me voir. La femme essaie toujours de se suicider. Bon, il se passe pas grand-chose. C'est toujours pareil. Ok. Allume la radio, vite fait. And now the news. Yesterday, Wally the walrus, a longtime resident of the Springfield Zoo... Super. ...baby walrus pup named Buttercup. Un bouton d'or. Mother and child are doing just fine. Ok, super, génial. Le truc, il sert à rien. Magnifique! Mais c'est bizarre quand même que. Plop. que plop. Que. J'aimerais bien savoir en fait à quoi ça sert de regarder par la fenêtre. Je trouve ça bizarre que ça serve à rien. Ah, mais attendez! Non, non, y a rien. Hein. Et y a un numéro de téléphone. Oh, et vous pensez que je peux me noter le numéro de téléphone? Et c'est pas impossible. J'ai de quoi noter ou... Ouais, je me rappellerai. 555-3750. 555-3750. On va essayer, tiens. 555-3750. 555-3750. 555-3750. Henri, mets le numéro. J'ai déjà oublié. Non, c'est bon. 555-3750. Et ça marche! Génial! Ok! Ce bruit-là, qu'est-ce que c'était? Je ne veux pas savoir. Je... Non, franchement, non. Sans façon. Ok, je sais pas à quoi ça m'a avancé. Mais c'est pas grave. Le trou, ça a encore agrandi, non? Ouais, la forme du trou a encore changé. Je crois entendre des voix d'enfants. Non mais ça c'est depuis le début, Henri. Hein. Henri ! Est-ce qu'on change de monde du coup ? Attendez, je regarde juste l'heure. Pu
purée, je rechange de monde, quoi. C'est normal que je les passe aussi vite et qu'il manque des trucs. On va peut-être repasser par salut, en fait, hein. Parce qu'il y avait plein de trucs, il y avait des inscriptions et tout, et je pouvais rien faire d'autre, de toute façon, tout de suite. Parce qu'en plus, je crois que j'ai loupé des trucs dans le monde du métro, alors. Mais du coup, c'est bien, on change de monde rapidement, on voit pas mal de trucs en très peu de temps. J'aime bien. Tu as des mains étranges, Henri. Tu as des grosses mains, nom de Dieu. Henri! Où sommes-nous? On n'est pas dans une prison ou... Non? Bonjour. Qu'est-ce que ça? Y a quelqu'un qui passe, hein, ou c'est bon? C'est quoi tous ces bruits? C'est quoi ces bestioles aussi, là? De grandes tiges. On dirait des petits vers de terre. Pas des petits. Tout est relatif. Y'a rien? C'est trop chelou, cette pièce. Ouais, je crois que c'est des... Je crois qu'on est dans une prison, hein. C'est tout un cercle. C'est trop bizarre, on dirait genre un phare ou je sais pas quoi. Le verrou est cassé, on peut essayer d'ouvrir la porte. La porte. Oh, munition. J'ai pas eu besoin de m'en servir pour le moment, donc je pense que ça va bien servir genre vers la fin du jeu, vous savez. C'est quoi cette... C'est quoi cette merde? Y'a une espèce de... mollusque. Eh, c'est terrifiant, ça. C'est qui passe? Quelqu'un qui passe dans un truc central ou je sais pas quoi. Des graffitis, on dirait encore l'écriture d'un môme. On me surveille de la chambre du milieu. Ah, ça a l'air d'être monté comme un phare, hein. Y'a rien d'autre? C'est trop bizarre. C'est trop bizarre, mais je suis tellement excité. C'est le mec qui dit ça va sortir. Y'a un truc, là, non? Non? Allô? Ah. Il y a une note mal écrite par terre. Il y a beaucoup de notes dans le jeu. Quel bol! J'ai enfin réussi à sortir de ma cellule. Je vais jeter un bon coup d'œil autour de ce bâtiment. Le sous-sol du premier fout vraiment la frousse. Il y a une cuisine au nord-est. Mais à côté, au nord-ouest, il y a une salle de torture. Pour y entrer, il faut le bon code. Je l'ai pas, il faisait trop noir pour voir le clavier, alors j'ai pas pu rentrer. Ok, ça sent l'énigme encore. Le roue est cassé. Il va me tuer. Oh, putain, il m'a... Il m'a fait peur, bébé, croque-je ton bras! Il m'a fait peur! Walter va me tuer. C'est verrouillé. Ah bah désolé. Il te tuera, tant pis. Sauvegarde! Sauve. Ah, porte. Non! Non, 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 moi je veux la porte. Donne-toi. C'est verrouillé. Ah, y a une note! Une note mal écrite. C'est le mec qui est sorti de sa cellule. Pour arriver aux salles de surveillance du milieu, il faut passer par les trappes d'évacuation des cadavres des cellules. C'était là où j'étais, là? Celles des cellules du premier et du deuxième sont verrouillées. C'était pour empêcher les gosses de les trouver. Attends, il y a des trappes d'évacuation des cadavres? C'est horrible. Il faut aller au premier à partir d'une cellule du troisième. Attendez, j'ai rien compris déjà, juste phrase. Je sais le faire, mais c'est une vraie galère et les projecteurs ne fonctionnent qu'au troisième. Il a l'air d'avoir une putain d'énigme, ça a l'air d'être le merdier. J'avais pas entendu un bruit tout à l'heure. Oh non, pas vous! Ok, ça. Faut juste les esquiver en fait. Il est où? C'est quoi ce bruit terrifiant? Aïe! Merde! Il y a plein d'échelles, mais. Je sais pas s'il faut les prendre ou pas. On va. Il y a des bruits, mais terrifiants quoi. Qui ont rien à voir avec les ennemis du jeu, c'est horrible.
Putain, je sais pas si je dois monter, si je dois descendre. Ah non! Ah, c'est la merde! Ok. Je vous attends. Je sais pas où je vais, c'est ça qui est chiant. Merde! J'étais en train de me dire, c'est bon, si on trace, ça le fait! Bah non. Ah, oh, oh! La porte s'ouvrait pas, on dirait qu'elle a verrouillé de l'intérieur. Est-ce que je continue à monter ou est-ce que... J'ai l'impression que je descends, en fait, là. En fait, je suis perdu. En fait, on est dans une espèce de prison en forme de phare. C'est trop chelou. Là, je sais pas où je vais, hein. Putain, c'est quoi ce bruit? Chou. Ah, il y a des mouches. Voilà. Oh là là là. Mais je vais tellement me perdre dans ce niveau. J'ai l'impression que plus le niveau évolue, plus c'est le bordel, en fait. C'est un putain de labyrinthe. Il y a une porte là. Il y a des grosses mouches là. Elle est mouche. Ah. C'est une clé. Tu prends. Ah bah oui. Clé de sortie de la prison. Lacustre. On est à Silent Hill, hein, je crois. Non. Elle porte le mot O. D'accord. Ok. Il y a encore un trou. Et il y a des mouches. Mais t'as des mouches. Aïe. Comme je les ai envoyés voler, quoi. Mouches. Je les ai noyés, les autres, en fait. Ah merde, non. J'y ai tellement cru. Aïe. Oh, comme je suis au vol. C'était beau. On va aller faire une sauvegarde vite fait quand même. Histoire de pas avoir besoin de refaire le passage avec les mecs là. Oh, le tunnel a changé, dis donc. Je suis de plus en plus dans l'incompréhension dans ce jeu quand même. Comme ça, je me soigne un petit peu en même temps. Ah oui, j'avais laissé la radio allumée, c'est ça? Non. Ça, c'était jamais arrivé. Je me souviens pas d'avoir allumé ça, moi non plus, Henri. Et me dites pas qu'il va arriver des merdes ici aussi, hein. Ah! J'avais pas vu le papier! Le papier! Il y a un bout de papier rouge collé. Je l'avais pas vu. J'ai de plus en plus l'impression d'être en danger de mort. Je n'ai pas une vie facile, mais je n'avais jamais ressenti cette peur viscérale. Au cas où il m'arriverait quelque chose, j'ai décidé d'écrire ce que j'ai appris. Ça pourrait peut-être servir au prochain locataire. Ah, c'est celui d'avant, du coup. J'enquête sur les meurtres commis il y a 7 ans et qui ont tué 10 personnes en 10 jours. Elles sont mortes de plusieurs façons, mais avaient une chose en commun. Les numéros suivants étaient gravés sur leur corps dans l'ordre de trépas. Donc 1, 2, 3, ouais, ok, c'est ça. Le nom de l'assassin était gravé lui aussi. Il s'agissait de Walter Sullivan, le 4 avril. Ok, on a trouvé, je crois, le le méchant dans l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce? C'est le directeur. Ah non, c'est le concierge. Mais tu vois pas les marques, mec? Ah non, je fais le ménage. Je m'en bats les couilles. Non, il voit rien. On doit être dans une dimension parallèle dans cet appart, hein. C'est obligé. Bon, il fait juste le ménage, quoi. Il fait la conchita. Je crois qu'il est parti. Non. J'ai fait la ménage. T'as oublié une tâche là, mec. Ah, c'est fatigant. S'il va faire une réflexion devant ma porte. Non, il s'en fout. Mais en fait, c'est le directeur, le...
Bon, je pense pas qu'il y ait quelque chose d'autre à voir. Coup de la télé me fait peur quand même. Hein. J'ai pas envie qu'il commence à se passer des conneries ici. Censé être mon lieu de paix. PAX. Hein. PAX. PAX. Il se passe rien. Bon. Petite sauvegarde. Histoire d'être tranquille. Écrasé, oui. Ok. C'est parti! Oh. Retournons-y. Ouais. C'était quoi ce bruit? Il y a des canards! Je collectionne des canards. Wow. Je collectionne des canards par milliers. Dans 10 minutes, faut que j'arrête mon épisode. On va essayer de se grouiller. Bon, je sais pas à quoi sert cette énorme cuve. Nom de Dieu, où suis-je? C'est quoi cette porte? C'est une porte? C'est flippant! Je ne peux pas attendre la poignée. Je n'arrive pas à l'ouvrir en grand, tu m'étonnes. T'as imaginé la taille des bestioles qui peuvent en sortir, quoi. Y a rien? Le transformateur ne fonctionne pas. Je ne comprends pas ce jeu. Putain, il y a encore plein de mouches. Oui, j'appelle ça des mouches parce que ça fait un bruit de mouche, mais... Aïe! C'est pas vraiment des mouches. Mais tu l'as? Non, de non. Pouette. Allez, mais Henri, tu es nul! Espèce de petite merde. Bon, Osef, Krassos. On va monter, hein? D'aller tout en haut? Est-ce qu'il y a un truc par là? Oh. Ah, une porte. Mais merde. On remonte? Oh, je vais me paumer les jambes, mais d'une force. D'une force incommensurable. Je fais peur, ce con. Ah, mais non! Ouais, je sais. Ils sont faciles à passer, mais j'ai jamais la patience. Alors j'essaie de le faire en rush, mais c'est pas une bonne idée. De me coller au mur aussi. Et merde! C'est quoi ce bruit? C'est terrifiant! Merde, je suis vraiment con. Concentration, j'ai perdu la moitié de ma vie encore. Putain, mais vas-y, y'a rien qui s'ouvre. Je continue à monter du coup? Dites-moi pas que je suis dans une boucle infinie en fait, hein. C'est ça. Putain, fais chier. Oh! Là. Oh là là, mais c'est pas possible! Oh là là, je sais pas où j'allais! Oh là là! Est-ce que je dois continuer? Je comprends rien à ce niveau. Oh, y'a un truc là. Hey hey! J'ai trouvé un truc. Je ne peux plus rien. Non! Fais chier! J'aurais dû poser les plaques, j'en ai peut-être pas besoin. Et j'aurais dû poser la clé aussi, je suis trop. Bête! On va peut-être se soigner du coup, hein. Ça me fait un peu chier de l'utiliser, mais. Je prends le médaillon saint. Je prends le médaillon saint. Parce qu'après, je veux jamais le retrouver. Peut-être utiliser en même temps qu'une arme. Les effets anti-esprit ont une durée provisoire. Comment je fais pour l'utiliser? Anti-esprit? Ah ouais. C'est peut-être contre les fantômes, non? Anti-esprit. J'ai la fantôme. C'est quoi ces bruits, putain? Porte!
Oh là là. Mais je retombe là, en fait. En fait, ça sert strictement à rien que... Mais je pige rien. Oh là là. En fait, je continue à monter, mais... Vais-je vraiment arriver quelque part à un moment donné ou un autre? J'ai l'impression d'être coincé en fait dans une espèce de boucle. Ah, caca. Est-ce que j'ai changé de niveau? Attendez, ça me gratte l'oreille, hein, je suis désolée, mais. Il avait une souris coincée dans l'oreille. Je sais même pas si j'ai changé de niveau ou pas. Ah, mais c'est quoi cette merde? On dirait des vieux. Oh, ça c'est terrifiant. Des vieux spermatozoïdes fantômes. Le haut est cassé. Je comprends rien à ce niveau. Bah, si y a le mec, c'est que je suis. Oh merde. C'est que je suis. Au même niveau, il y a quelque chose écrit « Ras-le-bol de la surveillance ». Du coup, le mec s'est pendu. Est-ce que je peux ramasser la corde? Non. Elle aurait pu me servir. Henri! Non, j'ai pas l'impression. Oh mon dieu, ça fait tellement penser au gardien dans White Day, quoi. C'est horrible. Ce bruit de clé. Nope. C'est terrifiant. Et j'ai l'impression que c'est les mêmes salles. Enfin, c'est les mêmes salles, mais j'ai tellement peur, en fait, d'être au même niveau et de revoir les mêmes choses. De toute façon, vous me direz, je crois que j'avais pas fait le tour entièrement. Je ne sais pas si je suis au même niveau. Bah si, hein, je crois. Marqué quoi, là? Des graffitis, on me surveille de la chambre du milieu. Ah, je suis resté au même niveau, alors. Laissez-moi sortir. Oh les gens, je comprends rien. Qu'est-ce que t'as? Je peux pas lui parler? C'est verrouillé. Non, bah il a. Henri n'a pas envie. Hein. Il va me tuer. Mais oui, mais je. Je tourne en rond, les gens. Mon dieu. Ah! Oh! Bah c'est ça qu'il fallait faire. Parfait. On est à l'extérieur, ok. Bah c'est peut-être par là du coup que je vais pouvoir changer d'étage. Oh putain. Oh putain non, bah les mouches. Ouais, je suis obligé de les tuer parce que sinon elles me font légèrement chier. Hey, vite, achève-les. Merde. Achève-la. Merde. Aïe. Attends. Attends, attends. Chevelé! Voilà. Mais. Putain! Mouche à la con! J'ai encore perdu à côté de ma vie, quoi! C'est quoi cette connerie? Bon, j'avais peut-être pas tout récupéré aussi. Ce jeu est flippant! Et puis je suis en train de me paumer, alors là je peux descendre, je peux prendre la porte. On va prendre sa porte. Normalement j'ai changé d'étage là. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est ça. J'ai flippé, quoi. Ça c'est... Oh putain, il y en a beaucoup. Bon, moi, ça ne bouge pas. C'est quoi ces... ces merdes qui montent au plafond. Je sais pas ce que... Ah. Il y a des grosses larves. Je sais pas si ça m'attaque, mais c'est dégueulasse. Bon, au moins, j'ai réussi à changer d'étage. C'est déjà pas mal. Aïe! C'est dégueulasse! Je peux les taper? Ah oui! Bien dégoulis! Dégoulis! C'est pas joli, c'est dégoulis! Dégoulis! C'est un journal. Je surveille tout le temps la lorgnette de la salle de surveillance. Je sais qu'il y vient des fois. Je le sais parce que je vois une ombre qui bouge ou j'entends des pas.
fait, faudrait que j'arrive à me rendre dans cette salle centrale, là. La salle de surveillance. Il doit y avoir des trucs intéressés. Intéressés? Qu'est-ce que c'est que ça? La bouteille est pleine de poudre noire. C'est quoi? Je peux pas en prendre? Et là, il y a rien du tout. Du tout. Ça va me faire peur à chaque fois, hein. Là, je vous préviens. Ce niveau est très chelou. Hop là. Bonjour. C'était gratuit. Putain, il y en a de partout. Non, ça j'ai pas vu. Oh, c'est mignon, il a étendu son petit linge. Il y a quelque chose d'écrit sur le papier, on dirait encore l'écriture d'un môme. J'ai fait pipi dans ma culotte. Il faut que je la lave avant qu'on s'en aperçoive. Oh, j'ai vu une ombre. Oh, on m'a vu. Ouais, je fais très bien la voix du gosse, c'est complètement con. Mais qui est dans cette salle centrale? Est-ce que j'ai fait le tour? Je crois que oui. Du coup, je ressens. Ouais. Attendez, on va prendre l'échelle, hein, ça évitera de... Il va plutôt falloir que j'arrête mon épisode aussi. Ouh, c'est le merdier ici. C'est quoi ce plan de vue? Ah, projecteur. Je pense que cette salle a de l'importance. Mais par contre, il ne dit rien du tout. Il ne veut pas observer ses bouquins. Il s'en bat la rate. Ok, Henri, merci. Ok, Henri, merci, putain. Je viens de voir un truc, là. J'ai pas rêvé. Oh putain de merde. Oh putain de merde, il me suit des doigts. Il a bougé. Il y a un trou. Putain, la lumière a changé. Ah ouais, d'accord, c'est quand il passe. C'est un trou, tu veux sauter dedans? Attendez. J'aimerais bien essayer de me faire le monstre, du coup. J'ai pas envie de me le faire au corps à corps, hein. Quoi ce... Ah, ah, ah. Meurs, meurs, meurs. C'est quoi cette chose? C'est des consanguins. Des jumeaux consanguins. Ah mais c'est terrifiant comme il suit du doigt. C'est... Ah. Bon attendez, je sauterai dans le trou une fois que j'aurai fini le tour des pièces. Ah, mais c'est terrifiant. Attendez, faut que je regarde. Oh, faut que j'arrête mon épisode en plus. Attendez, je finis juste le... Je suis rentré dans la même salle ou je suis conne? Oh non, je suis rentré dans la même salle, ok. Je suis débile. T'as bien être partout, bestiole. Mon dieu, c'est terrifiant, ces choses. Je pense que c'est une mauvaise idée de les attaquer au corps à corps. Quelque chose écrit sur le papier. On croira que je dors. Hein? Des pas? Et si on m'avait vu? Et il a oublié ses vêtements. Le mec a disparu, il est parti à poil. Oh putain! Oh putain! C'est quoi ça? Oh putain, mais pas vous! Aïe! Attendez, mais je suis obligé de me les faire du coup. Non, lui là. Prenez pas les pucelles, oui. Lis le mot. Lis le mot. Il veut pas lire. Il est mort le truc. Il veut pas lire. Wow. Oh. Oh vite. Ah. Tu es de consanguin. C'est horrible ces créatures. Mon dieu. Oh. C'est flippant. Il y a encore un trou, j'ai fait le tour ou... Où le mec est revenu. Attendez, je vais juste changer d'arme. Hop là. J'ai envie de gâcher des munitions.
Il y a de partout. On dirait des espèces de cerveaux qui sortent de terre. Des cerveaux terre. Oh putain. Eh mais j'ai perdu pas mal de vie, moi. Heureusement que mon épisode touche à sa fin. C'est un journal. Je voulais tuer le truc à la base, mais bon. C'est pas grave. Du coup, j'entends un bruit bien dégueulasse à côté de moi. On a mangé du ragoût de bœuf hier. À la cafétéria, on dit qu'il y a une chambre de torture derrière la cuisine. On récupère la chair des morts pour la faire cuire. Ça fout vraiment la trouille. Ah, c'est dégueulasse surtout. Tu vois ce truc ? Toujours le mec qui passe, un journal. Je vais morfler, je me suis tenue debout dans un salle de surveillance et j'ai hurlé comme un démon, mais personne n'est sorti. Bon, faut que je trouve une sauvegarde. Je crois que j'ai fait le tour. Mais du coup, il y a deux trous. Je crois qu'il y a... Il y a des vêtements qui traînent. Bah oui. Non mais les mecs se foutent tous à poil en fait. Tous à poil, Léon se caresse. J'aimerais juste savoir... Attendez. Hop là. Ouais, en fait, il y a deux trous, d'accord. Il y a bel et bien deux trous. Ok, j'espère juste qu'il y a une sauvegarde. Merde, où est-ce que je vais trouver une sauvegarde, moi? C'est un merdant. En plan plan. Laissez tomber, descendre. Montez. Où suis-je? Je veux une sauvegarde. Arrêtez mon épisode. Putain. Bon attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais redescendre au premier étage. Je vais essayer de retrouver la sauvegarde là parce que mon épisode est vraiment long. Oh oh. Il y avait pas ça avant. Ah. Mais il y avait pas ces trucs avant. Mais quoi c'est hier. Ah, moi, je suis débile. Non. Je veux pas mourir. Problème, je ne trouve pas de sauvegarde. J'étais déjà venu à cet étage ou pas? Je suis paumé les gens. Mais non, cet étage du coup je l'ai pas fait. Parce que moi je viens de là. Je viens du sud. Donc il y a encore un étage que j'ai pas fait en fait. Ah oh, la sauvegarde. Ah oui. Ah, puis en plus là je commençais vraiment à plus avoir de vie quoi. Mon dieu. On va pouvoir sauvegarder. Mon épisode. Putain, mon épisode fait 40 minutes. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Les épisodes sont trop longs. Non, ben non. Non, ben non. Bon, on regardera par les trous la prochaine fois. Je vais sauvegarder. On va vite arrêter cet épisode-là. Parce que l'épisode est grave trop long. Eh oui. Eh oui, mon kiki. Voilà, voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager, le commenter, le liker. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais un gros bisou. Je vous donne rendez-vous à la prochaine pour la suite aux aventures avec Henri. Bye. Putain, genre, cette femme, elle est revenue, quoi. J'en ai marre. On a tué combien de fois, cette meuf, quoi. Charge.